Je n'ai jamais vu un voisin aussi mauvais. Il a fermé la porte derrière lui. Il a demandé à la fille si elle voulait jouer à la poupée avec lui. La fille a accepté avec joie. L'homme lui propose une nouvelle façon de jouer. Ce qui serait super, ça serait que toi tu fasses la poupée. Et puis moi je ferai la petite fille. Comme ça je pourrais t'habiller, te coiffer. Ça pourrait être rigolo, non ? L'homme a également demandé à la fillette de ne parler à personne de ce jeu. La petite fille a accepté ce nouveau jeu et a suivi l'homme dans la salle de bain. La jeune fille a détesté ce jeu, mais elle ne pouvait pas le dire à ses parents. Parce que l'homme était le meilleur ami de ses parents. Ce jour-là, elle était au studio de danse. Sa mère arrive et lui dit qu'elle ne peut pas venir la chercher après l'école et qu'elle a demandé à l'homme de la ramener chez elle. La jeune fille était très malheureuse et ne voulait pas rester avec l'homme. Mais sa mère l'a trouvée impolie et l'a grondée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de monter dans la voiture de l'homme après l'école. Lorsqu'elle est montée dans la voiture, l'homme lui a demandé d'enlever son pantalon. Les yeux de la jeune fille étaient pleins de douleur et d'impuissance. Dès qu'elle est arrivée à la maison, elle s'est précipitée dans les bras de son père pour trouver du réconfort. Mais le père ne l'a pas remarqué et a accueilli l'homme chaleureusement.